I think it's been a very satisfactory weekend, both for Europe as a whole and for the United Kingdom. We reached yesterday a satisfactory resolution of the dispute on beef, a resolution that meets the objectives I set out, and now provides a concrete way of moving forward with the ban being lifted in stages and with each stage firmly based, as we wished it to be, on objective criteria and science. So I'm more than content with that. Científico y me parece muy importante que ese criterio haya sido uno de los acuerdos más importantes desde el punto de vista de la superación de la crisis de las vacas locas. Por lo tanto, yo creo que el resultado es un resultado, así se ha manifestado, plenamente satisfactorio para todos los Estados miembros. Plenamente satisfactorio para todos los Estados miembros. Y muy especialmente satisfactorio para 14 Estados miembros, entre los cuales se encuentra España. Porque realmente no hemos sido los 14 restantes, sino que ha sido Gran Bretaña el que ha tenido claramente que modificar su posición sobre las posiciones previas que se habían. Last week, when we had the Bosnia conference here in Florence, this was clearly said, and there were a lot of countries represented then, that this is absolutely unacceptable, that we will not accept that, that is a threat to the stability of the country and, in fact, also to the survival of the peace process. So I think maximum pressure should be continued to be carried on, both on the Republika Srpska, but also on Belgrade, in order to see to it that Karadžić is removed from power and eventually also will be transferred to The Hague to be tried by the International Court. There may be no misunderstanding about that. Wie wir es noch nie hatten, wir würden es auch mit einem Maß an Erfolg in Sachen Inflationsrate, wie wir das ja auch in der Geschichte Europas noch nie hatten. Wer glaubt, dass er durch Abmachungen auf der Ebene der Europäischen Union, also weitere Fonds, die dann wieder gespeist werden müssen und die Geld, wo eine neue Geldverteilungsstelle eingestellt wird, L'affaire de la vache folle n'est pas terminée pour une raison simple, c'est parce qu'on n'a pas encore une connaissance exacte d'une part de ses caractéristiques et des dangers qu'elle implique, et je dirais des dégâts potentiels qu'elle peut faire, on n'en sait rien. Alors, je suis à la fois tout à fait hostile à ceux qui... font de l'affolement de façon excessive ou qui essayent d'inquiéter les gens de façon excessive, mais je suis aussi sévère à l'égard de ceux qui traitent les choses un peu à la légère. La vérité, c'est que nous devons faire un effort considérable dans les mois et les années qui viennent sur le plan scientifique pour donner tous les moyens aux spécialistes de se faire un jugement, que nous devons en attendant, prendre les mesures les plus draconiennes pour éradiquer la maladie, physiquement. C'est désastreux, naturellement, mais les Anglais vont abattre quelque chose comme 4 millions de bovins dans les 4 ans qui viennent. C'est considérable, et c'était considéré par